Ça fait un plaisir. Ça fait longtemps que je ne suis pas en face moi, dans l'étude. Alors, la seule différence, deux ans de slam, dès qu'on marchait, on a connu un chita. Donc, nous disons bon Dieu merci. Ce qui est important, c'est que nous vivons. Nous ne sommes pas morts, nous disons bon Dieu merci pour ça. Pas grand monde qui est mort à Covid. Certainement, il y a des gens qui sont morts, oui, mais pas monde qui est mort à Covid. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et bon Dieu fidèle, bon Dieu pas bien. Rappelez-nous, nous avons un sujet. Nous avons plus de trois semaines que nous avons entamé ce sujet ça. Et nous pouvons finir épuiser. Et pas quoi, peut-être même tout le mois de mai, nous avons fini épuiser ce sujet ça. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Deux semaines qui étaient écoulées, nous avons parlé de la personnalité du Saint-Esprit. Mais dimanche là, nous avons commencé à parler de la divinité du Saint-Esprit. Et c'est avec, n'est-ce pas, ce sujet ça, la divinité du Saint-Esprit, nous avons continué à soir. Nous avons fait lecture, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 6 jusqu'à la fin. Il dit, il nous a reçus, rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bon Dieu bénis-nous, bien-aimés. Donc, à ce moment-là, nous avons traité le sujet ça, nous avons continué avec lui, c'est la divinité du Saint-Esprit. Un verset, n'est-ce pas, qui intéresse nous, notre texte là, c'est surtout le verset 17. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Bah oui, bien-aimé. Mais notre contexte là, il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, nous, ouais, bien-aimé, on prend ces trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont sous même pied d'égalité. D'égalité, à savoir, n'est-ce pas, il y a tous les trois, c'est Dieu. Donc, nous parlons aucune part dans les Saintes Écritures, il y a écrit des dieux, pas de plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu qui existait en trois mondes. Vous entendez bien, aimé? Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ici, dans le passage-là, il est confirmé, et sans ambiguïté de langage, que le Saint-Esprit est une personne et lui, c'est Dieu. Ou là, bien aimé, dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, nous d'accord, dans Jean chapitre 4, la parole lui enseignait que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si Dieu, c'est esprit, comme Dieu, c'est esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est esprit, Jésus-Christ est le Seigneur, il est Dieu, il est esprit. Ok, très important. Bien entendu,
avant, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu habiter dans la chair, il t'a vécu dans l'éternité comme esprit. Donc, nous, dans le passage, il montre que le Seigneur, c'est l'esprit. Ça veut dire que pas de différence, indifféremment, le Seigneur est Dieu, et de même que Saint-Esprit. Donc, on garde ensemble. Donc, dimanche-là, nous te parlons du sacrilège, que l'esprit porte des noms divins. À travers les Saintes Écritures, ou après, n'est-ce pas, il y a le Saint-Esprit des noms qui, n'est-ce pas, c'est bon Dieu qui porte des noms ça. Songez-moi bien que l'Écriture ne se borne pas à souligner seulement la personnalité du Saint-Esprit, mais elle affirme en même temps, de la façon la plus péremptoire, que Saint-Esprit, c'est bon Dieu. Ça veut dire que, pas d'argument au cabinet avec lui pour dire Saint-Esprit, pas Dieu. Parce que dans le texte, ça là, nous prenons le montant que Saint-Esprit, qui s'allie? C'est Dieu lié. Ok? Donc, l'esprit porte des noms divins. Et nous avons développé avec vous ça que l'esprit possède des attributs divins. Les autres attributs divins, ce sont des traits, on voit, caractéristiques qui, n'est-ce pas, concernent Dieu. Par exemple, la Bible en dit Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Et bien, Saint-Esprit qui s'allie, l'omniscient. Ça veut dire que l'icône tout bas, l'icône tout bas. Pas oublier, Bible en dit, Saint-Esprit sont des mêmes les profondeurs de Dieu. Là, il dit profondeur, il y avait tout ça, bon Dieu, qu'a pensé, qu'a passé dans l'esprit, papa, bon Dieu, Saint-Esprit connaît tout. Même mon père, bon Dieu, pense, il va sortir dans le bouche, non? Saint-Esprit connaît. Cela veut dire que Saint-Esprit est? Est Dieu. Et nous te montrons aussi, Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'omniprésent. L'omniprésence, non, son expression utilisée en théologie pour faire comprendre que, n'est-ce pas, son monde, il y a tout partout en même temps. Un être humain naturellement pas qu'à tout partout en même temps. Nous comment bien nous cabine dans service là. Et même le n'est-ce pas un monde ta mouri quoi n'est-ce pas là fait outil entre en putréfaction, esprit à vivant, esprit pas qu'à tout partout en même temps. C'est seul Dieu qui a capacité ça. Nous comment bien Dieu seul a le pouvoir n'est-ce pas pour capable en plusieurs endroits à de même temps. Dieu qui est ici là pendant le service là. Il y a des milliers d'endroits différents et puis la suite, tout ça nous a dit, tout ça nous a fait. Nous comprenons bien aimé. Ok. Donc ça veut dire ça, l'omniprès. Nous te parlons de l'omnipotence du Saint-Esprit. L'omnipotence, n'est-ce pas, son expression utilisée pour dire Saint-Esprit gagne tout pouvoir. Ça le gagne? Il gagne tout pouvoir. Dans Zacharie 4, n'est-ce pas, au verset 4 et au verset 6, il fait connaître que. Ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit. Ça veut dire. C'est pas, cet esprit n'est pas une force, il y a une propre force pas, en tant que Dieu, en tant que personne. Donc, comment bien aimé? En tant que Dieu, en tant que personne, il y a une propre puissance. Li. Ok? Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, et puis mettons en virgule d'air, le Saint-Esprit, survenant sur, en l'autre terme, cet esprit a une propre puissance. Li. D'abord, il est Dieu. Non seulement il est propre puissance, il est tout puissant. Dans Job 33, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Un bon feedback devant, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est le Dieu créa. Ok. Bon, quand il dit dans Somme 5, verset 7, il dit, ouvre et souffle, et puis nous créer. Par contre, vous comprenez. Le bon Dieu t'a créé l'univers. Bon Dieu, pas prendre, n'est-ce pas, ça le coule avec ça, non? C'est parler, le parler. Il dit, et la chose a. Il ordonne, et il prend, existe. C'est un gros bon Dieu à servir. Donc, Saint-Esprit, c'est ça lié en réalité. En réalité. Donc, c'est le troisième point que nous avons touché avec vous. Point ça, n'est-ce pas? Nous avons parlé que l'Esprit est la troisième personne de la Trinité. Pas oublier, nous observons seul Dieu en trois mondes. Dans les Saintes Écritures, nulle part, on ne peut trouver un passage qui parle de Trinité. Cela n'existe pas dans la Bible. On ne peut jamais venir un passage dans la Bible qui dit la Trinité. Non. Mais il existe, il se retrouve des passages trinitaires dans la Bible. Par exemple, dans Matthieu chapitre 28, Jésus-Christ commande les disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc nous, chaque nous avons un nom. Saint-Esprit a un nom. Dieu le Père bon nom, Jésus-Christ bon. Donc nous, n'est-ce pas, Dieu existait en toi? En trois personnes. Donc cet esprit, c'est troisième monde dans toi, mon yo. Nous l'avons bien aimé. Ok.
Rappelez-nous, bien-aimés, dans 2 Corinthiens 13, 13, apôtre, nous quoi apôtre Paul, il a béni chrétien de Corinthiens. Regardez quelle expression que l'utilisait. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous d'accord avec nous admettre que Jésus-Christ est Dieu. Amen, l'église. Et puis il dit, l'amour de Dieu, of course, Dieu est amour. Ici, Dieu, c'est le Père. Nous l'a bien-aimé. Nous savez ce que ça m'a dit, hein? Et en troisième lieu, il parlait de, n'est-ce pas, la communion du Saint-Esprit. Ça veut dire. Saint-Esprit, en tant que Dieu, ou capable, n'est-ce pas, d'entrer dans l'intimité avec lui. Ou qu'à communier avec lui. Ou qu'à dialoguer avec lui. Amen, l'église. Gembagaï, n'est-ce pas, ou qu'à dire, Saint-Esprit, révélez-moi, non, parle avec moi, non. D'abord, tout l'or sous couchou, tout ça, ouais. N'est-ce pas, bon Dieu montre le ciel, lui montre sa capacité de bagage. C'est Saint-Esprit qui montre une bagage, ça. Ouais. Jésus-Christ dit ça, il dit. Tout ça, m'a dit, nous, on a oublié. Mais Saint-Esprit, lui, il va venir. Il va qui ça, ça, il va faire. Il va rappeler tout ça, m'a dit, nous. Donc, ce n'est pas n'importe qui esprit lié. C'est Dieu lié. Il compte tout bas. Il compte tout bas. Très important. Donc, nous, Jésus-Christ, l'autre consolat. Dans Jean 14, verset 16. Il dit, il y a avantageux pour m'aller. Parce que si je parle, papa ne peut pas voir l'autre consolateur. S'il parle d'un autre consolateur, cela veut dire que Jésus-Christ est venu en bas, c'est un consolat. Ça veut dire que même ça, Jésus-Christ, c'est ça, Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ça, Jésus-Christ, c'est ça, Saint-Esprit. C'est ça, Saint-Esprit. Donc, nous, c'est dans le même sens ça que le déclarer aux disciples qu'il leur est avantageux, on prend pour perdre la présence corporelle. Ça veut dire que pour ne pas exister sur la terre encore, pour aller faire autre chose. Ouais. Parce que Christ, même laissé Dieu lié, il vient habiter dans la chair. Maintenant, s'il ne pas aller, bien aimé, un seul Christ, notre corps physique, il n'est pas rentré dans tout le monde. Bon, c'est comment on dit là. Donc, pour Dieu la fête, n'est-ce pas, l'autre consolateur, l'autre monde qui même j'ai avec lui, qui pas habité, qui pas gagné ni chair ni zoa, il a une capacité ça pour demeurer dans chaque croyant qui existait sur planète Terre. Bon, c'est une combinaison. Sur chaque monde qui est sur la Terre, qui croit dans Jésus, Saint-Esprit, n'est-ce pas, il a une capacité ça en tant que Dieu pour demeurer dans nous. Pas oublier, puisque Jésus-Christ est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, si au monde ou pas croit dans Jésus, Saint-Esprit va demeurer dans nous. Et si au monde, n'est-ce pas, accepter Jésus-Christ comme son personnel, Saint-Esprit demeure dans nous. Nous tenons bien aimé. Certes, à des degrés divers, il y a des gens qui remplissent avec l'Esprit de Dieu. Ça sont leurs disciplines liées, sont leurs frères de manche liées. Des bagailles, il fallait exiger pour être dans la prière, amen, pour, n'est-ce pas, pour cultiver la présence de Dieu dans la vie. Pour ça, fait, il faut être dans la prière, amen. Il faut jeûner, il faut être en consécrat. Il faut connaître la parole de Dieu. Ok. Nous disons que l'unité entre les trois personnes divines est tellement grande que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, il t'a dit de cette manière, mais qui ça l'a dit? Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en... Attendez-vous, bien aimé. 1 Corinthiens 6, 19. L'apôtre Paul dit, corps, c'est temple Saint-Esprit. En d'autres termes, si corps, c'est temple Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est un dans nos lits de main. Ok. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, on regarde ça, dit, bien aimé, 1 Corinthiens 3, verset 16. Aujourd'hui, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pablo, dans 1 Corinthiens 16, 19, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et pas vrai? Non, dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit, vous êtes le temple de Dieu. Songez-moi de nous, Saint-Esprit, c'est bon Dieu, et pas vrai? Dieu le Père est Dieu. Maintenant, ton texte là, il montre comme c'est un bon Dieu qu'on y a là. Ou là, bien aimé. Et dans 1 Colossiens 1er, le verset 27, il dit Christ en vous. Comprenez bien ça, ma Dieu là. En tout terme, le Christ dans où, même Jean, n'est-ce pas, Dieu en où, même Jean, Saint-Esprit dans où. Donc, c'est pour montrer trois personnes, ça, yo, yo sur le même pied d'égalité. Amen. Yo c'est Dieu. Donc, là qu'on y a là, cet esprit demeure où, c'est Jésus demeure où. Rappelez-moi, je fais lecture pour vous, dans le premier passage. Donc, or, le Seigneur, c'est lui. Et l'Esprit, elle le sait. Donc, c'est même valeur, c'est même bagaille. Mais à la seule différence, c'est trois mondes, ils sont distincts. Au moins, ils sont différents l'un de l'autre, mais c'est Dieu au même titre que vous. Mais ils ont un temps. Amen, l'église. Nous comprenons l'église.
Ok. Songez, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, il dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit, mais le temple de Dieu. Maintenant, il dit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oula, l'Esprit de Jésus. Donc, si on dit, mon cher, ou pas que Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit même. Nous parlons si nous comprenons bien aimé. Donc, dans trois versets, ça, 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 3, le verset 16, 1 Corinthiens 1, verset 20, m'a dit non, Colossiens 1, verset 27, il montre, n'est-ce pas, trois mounions demeurés dans nous. Oula, bien aimé. Là, Christ a dit, je ne vais pas quitter nos orphelins. Mais Christ, celle qui toujours visite nous, à travers le Saint-Esprit, l'homme, n'est-ce pas, bon Dieu, bon vision, ouais, Jésus-Christ descend, ou bien il fait apparition. Il n'est pas nécessairement dit, c'est cet esprit qui a conforme ça à tout, bien aimé. Bon, si nous comprenons, c'est lui qui a révélé nos bagailles. Il est bien causé, oui. C'est ça que la Bible dit, sous péché contre papa, on vient pardon. Sous péché contre petit là, bon Dieu a beau passé. Mais sous péché contre Saint-Esprit, pas de pardon pour vous, ni dans le siècle ça, ni dans le siècle qu'a vie. Donc, c'est juste pour montrer, n'est-ce pas? C'est trois personnes distinctes, mais ils ont la même capacité. Ils ont su même pied d'égalité. Ok? Donc, même expression en créole là qui dit, cabrit Thomas, passé chercher. Nous comprenons bien aimé. Ok. On a gardé, n'est-ce pas, point ça. Cet esprit, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même. Ça me dit Saint-Esprit? Hein? L'or est Saint-Esprit, c'est mon Dieu même qu'on voit. Pas oublier, Bible d'où l'Esprit de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, là on dit, l'Éternel parlait à Josué, l'Éternel parlait à Moïse. Il n'est pas forcément c'est Dieu papa qui ne se tient si elle n'a pas la corrige. L'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel. On va faire texte comparer, comparer des textes pour montrer Ancien et Nouveau Testament. On prend, il a utilisé dans l'Ancien Testament, Dieu le Père dit, l'Éternel parlait. Dans le Nouveau Testament, il y a un contextuel pour montrer, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, il a dit c'est Saint-Esprit qui te parlait dans Moïse. Saint-Esprit qui te parlait dans la prophétie. Tandis que l'appli texte dans l'Ancien Testament, on dit ouais, c'est papa même qui t'a parlé, c'est mon Dieu qui a parlé dans le ciel. Even dans l'Ancien Testament, pas j'aime oublier ça, bien aimé. Dans l'Ancien Testament, Moïse ne connaît bon Dieu sous forme ça, toi, mon nom, pas connaît. Il pas connaît. L'Éternel pas connaît. Gardez pour tout autre Ancien Testament, il a parlé de bon Dieu. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Il n'y a pas de connaître bon Dieu en toi monde. Tant que il y a des textes, n'est-ce pas, qui montrent que tu es un pluriel de majesté. Là, on dit pluriel de majesté, hein, son façon pour révéler, pour honorer bon Dieu, comme pas gain toi, Dieu, son seul Dieu gain. Expression dans l'Ancien Testament qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu ici, dans la langue, n'est-ce pas, amen, hébraïque, veut dire, n'est-ce pas, Elohim. Elohim, son mot, n'est-ce pas, son pluriel de majesté, ou bien le pluriel d'excellence. En façon pour montrer Dieu t'a existé en plusieurs mondes. Quand c'est d'adou, Dieu son collège, son, c'est mon seul monde. Ou son j'ai Haïti, je dis, je t'en, comment les jeunes encore? Ah. Époque, les n'enfités là. Nous rappelons bagage ça, bien aimé. Je dis, son jeune cap dirige pays. Non, jeune, il y a plusieurs mondes là-dedans. Nous sommes ça, bien aimé. Ok. Eh bien, c'est même Jean tout, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même Jean dans ce testament, lorsque, n'est-ce pas, messieurs ont péché du temps de Nimrod, Bible dit, l'Éternel dit, allons, descendons et confondons leur langage. Nous, un verbe utilisé au pluriel. On nous descend, on a regardé ça au dia, si c'est vrai. On a confondu le langage. Yo. Maintenant là, c'est bon Dieu. N'est-ce pas? C'est Elohim, non? Bon Dieu qui existe en toi, mon nom. Il vient dans l'Ancien Testament, Moïse pas contre bon Dieu en toi, mon. Le bon Dieu fait apparition là, Moïse, sous mon Sinaï. Bon Dieu pas venu, il va montrer papa la petite Saint-Esprit là. Au contraire, l'appli texte biblique, il montre, n'est-ce pas, expression l'ange de l'Éternel, lui dit, n'est-ce pas, Jésus-Christ même. En pile apparition, tu es contre fait, lorsque bon Dieu dit, ma voix est ange dans devant nous, ah, si nous faisons ça, que passe à le pape, voix avec nous, la tuer, nous. C'était Jésus-Christ même.
Au point que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, rocher ça, que Israël t'a suivi dans les désert là. C'était Christ même. Maman dit qu'on dit pas ça, c'est là, bien aimé. Dans le Nouveau Testament, c'est Christ même. Est-ce que nous avons bien aimé? Ok. Donc, il vient dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. La Bible dit, Ésaïe, il faut expérimenter ça par rapport à Dieu. Quelle expérience il fait? Lui qu'on a prophétisé. Mais Ésaïe, n'est-ce pas, t'es qui va chiter dans lui? Et c'est la preuve que c'est pour montrer au cas où bon Dieu. Mais on n'a pas de droit devant mon Dieu. Je vais vous comprendre. La Bible dit, n'est-ce pas, on prend Josué le grand prêtre. Josué au service de Dieu. Mais Josué, il n'y a pas de chiter dans lui. Au point que, n'est-ce pas, la Bible montre Josué campé, Satan monté dans le ciel là pour accuser Josué. Nous l'avons bien aimé. Il a accusé Josué. Et puis, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campé, n'est-ce pas, pour défendre la cause de Josué. Autrefois, l'on n'a pas accusé au monde, l'on entre dans le tribunal là, c'est à droite mon nom arrêté. Pour dire, mais ça, mon a fait, mais ça, mon a fait. À la vérité, Josué coupable, bien aimé. Il est coupable, oui. Littéralement coupable. La Bible dit, l'on lit dans le passage là, rad sous monsieur sale. L'ange de l'Éternel dit, hey, retire rad sale ça sur Josué. Retire vieux bagage sale sac dans tête là. Mets ton tube en neuf, mets ta habit de fête sous lui. Ben, monsieur, pour moi. Et puis, quand le film fait ça, Satan n'a pas accusé lui. Satan dit, mais ça, Josué fait. En vérité, il fait bagage. Oui, bien. Il fait, oh. Au coin de ça, et l'ange de l'Éternel dit, il dit, oui, je connais le fait. Mais je prends ça en charge. Bon, balle passée. Bien aimé. Il dit, balle passée. Il dit, ouais, ça me fait pour vous. Ouais, je vais enlever Nikito. Il dit, sous marché droite, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait. Mais ça m'a fait. Ma bonne possibilité pour entrer là. C'était Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Nous l'avons bien aimé. Qui est-ce qui sous-tourne cap jugé, comme qui dans le côte là, qui sous-tourne cap jugé? Dieu le Père. Qu'on est Jésus-Christ campé, n'est-ce pas? Le Satan pas accusé Josué pour le défendre contre Josué. Il dit, ouais, moi, tirer à salut sur vous. Je ne sais pas si je comprends. Ok. Dans Ésaïe chapitre 6, le Ésaïe, ouais, vision ça, il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et pas ou oubli couvri qui ça? Ah. Et puis il dit, m'tendez, Séraphin. Pas oublier, il y a plusieurs autres anges. Il y a Séraphin, il y a Chérubin, il y a Archange, il y a ange qui est supérieur en puissance et en dignité, bien aimé. Il y a la Bible, le trône dit, etc. Il y a un ange qui est puissant. Il y a un ange qui est là pour nous protection. Quel que soit quoi tout passé avant. Mais il y a un ange, bien aimé. Par exemple, là, il parle de l'archange Michel. L'archange Michel, son ange qui est puissant. Son ange, n'est-ce pas, bon Dieu, Wally, c'est pour protéger la nation d'Israël. Ouais, on ange qui a protégé le pays. Très, très, très puissant, bien sûr. Il dit Saint, 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 et l'Éternel des âmes. Il dit Saint trois fois. Il n'a pas dit Saint quatre fois. Il n'a pas dit Saint deux fois. Il dit trois fois. Et dans Saint, ou après première lettre là, dans Saint, son S majuscule lié. Au contraire, il est relié. Dieu le bali, Dieu le ouais. Li ouais dans vision. Hein. Même Jean et Daniel ouais dans vision dans livre Daniel là. Li dit moi, n'est-ce pas? On prend. Y a un homme qui gaspère d'un homme. Li paraît devant l'ancien des jours. Pour le remettre au sein de bagaille. Il t'a parlé de Jésus-Christ là. So, dans vision ça, Esaïe, ouais, n'est-ce pas? Ange cap crié dans ciel là. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des âmes. Il dit ça trois fois. Il n'a pas compris. Tant que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dans Jean 14 avec Jean 16, Jésus-Christ dit, moi et le Père nous sommes un. Moi et le Papa nous sommes seuls. Dans Matthieu 28, il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le grand révélateur. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui fait qu'on est bon Dieu existe en trois mondes. Tant que dans l'Ancien Testament, d'une manière voilée, il était là. Nous n'avons pas de cas comprendre ça. Parce que bagasse était. Il était réservé à nous-mêmes aujourd'hui à Pontecon Bagaïsa. Mystère ça. Mystère caché de tous les temps. Bon, c'est une bonne. Mystère caché de tous les temps. Cet esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, en résumé, nous sommes capables d'affirmer que la divinité essentielle du Saint-Esprit, c'est d'ailleurs ce que proclament formellement les textes suivants. Textes tels que 2 Corinthiens 3, le verset 17, nous sommes tous là voir, ou pas le encore, il dit le Seigneur céleste. Ça, ça veut dire bien aimé.
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas Seigneur, nous y est. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Of course. Pas oublier, avant même Jésus-Christ est venu habiter dans la chair, ça le Dieu, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât. Avant l'atome de poussière existait, Jésus-Christ était toujours là. Dans l'éternité, dès l'éternité passée, il était toujours là avec le Père, avec Saint-Esprit. Ange pour quoi là, vous voulez comprendre ça. Pas qu'on créature était là. Il était toujours là. C'est la raison ça que fait dans Hébreux 13, 8, il dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et pour tout un temps. C'est ça fait Christ pas qu'à changer, bien-aimé. Il pas qu'à changer. C'est une caractéristique pour gagner pour ces dieux. Ou pas qu'à changer. Dieu est immuable, invariable. Lui c'est l'amour net. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui fidèle net. S'il n'est pas fidèle, moi-même, avant de ne pas t'appeler aujourd'hui. S'il n'est pas gagné l'amour, non, il n'est pas nous, il t'a sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez, bien-aimé. Donc, dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, il dit, oh, le Seigneur céleste. C'est comme si tu as son équation à balancer. Comprends? Jésus-Christ, dans Jean 17, ils font prière. Le arrivé pour quitter ça, pour retourner à Jean Babal. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existât ou bien fût. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Maintenant, l'heure est arrivée pour me tourner à joindre. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Aïe, aïe, aïe. Avant que le monde t'existait. Avant cosmos t'existait. Avant l'univers t'es là. Avant, n'est-ce pas, ange t'es là. Gloire ça moi ma voix. C'est quoi causé, béni? Le sacrifice, pas de cogéché, pas de pas dans la chair. C'est esprit lié. C'est raison ça qui fait. Jésus-Christ dit. Bon, dis-nous ça, avant Abraham, je suis. Eimi. Expression grecque là, Eimi. N'était là. Il va dire, n'était là, moi là. Il est toujours là. S'il pas là, béni, moi, bon, chier. Deuxième passage là, c'est dans Jean 4, le verset 24. Nous connaissons très bien. Nous rappelons lorsque Jésus-Christ est arrivé auprès du puits de Jacob, en Samarie. Il y a un contact avec femme ça. Nous sommes les femmes ça, femme samaritaine, non? Dans le dialogue que le garde Jésus, on garde pour nous. Dans Jean 4, le verset 24. Il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu, c'est qui s'allie? Il précise, il dit, Dieu est esprit. Maintenant, s'il dit, Dieu est esprit. Nous, qu'on dit le Père est, c'est le Dieu salié. Le Fils est Dieu salié. Le Saint-Esprit salié. Il est Dieu, il est esprit. Mais le problème que gagne, notre concept humain, notre perspective humaine, pour nous-mêmes, pour nous, il faut que nous ayons des grandes oreilles, il faut que nous cheveux, il faut que nous crier, il faut que nous ayons des yeux, il faut que nous ayons sang. Pas nécessairement vrai. Personnalité n'a pas dépendre, n'est-ce pas, de quoi physique ça. Pour le monde, il faut doué de volonté. Il faut capable de penser. Il faut capable de connaître. Il faut doué de connaissance. Faut qu'à... Bon, il faut qu'à réfléchir. Il faut qu'à agir. Amen. Nous comprenons bien. Il faut qu'à raisonner. C'est sa personnalité. Bien aimé. Or, dans le passage, il dit comme ça. Dieu est esprit. Maintenant, on connaît que là où dit Dieu, ici, Dieu existe dans trois mondes. Père, Fils, Saint-Esprit. Une autre expression dans l'Ancien Testament. Elohim, pluriel de majesté. Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, bagay sa li pat révélé à Mounzao. Même Moïse pat ka comprendre bagay sa. Donc Jésus-Christ, n'est-ce pas, le grand révélateur, le vini kounia, c'est lui qui révèle nous. Dieu sous sa vraie nature. Père, Fils et. Songez de nous, cet esprit, c'est Dieu lui. Non, accès, bien aimé. Les versets 3 et 4. Gardons expérience, n'est-ce pas? Apôtre Pierre, qui remplit avec Saint-Esprit. Gardez qui ça, Saint-Esprit, utilisé pour le dire. Acte chapitre 5.
D'abord, en allant verset 1er, il dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc, dans le contexte, dans le passage, là, il montre, n'est-ce pas, côté Saint-Esprit, bien-aimé. Abliez-moi sur le 3 verset là. Nous, c'est temps Saint-Esprit. Il dit, ou pas qu'on est, ou c'est temps Saint-Esprit, ou pas qu'on est, bon Dieu habite en dedans, ou pas qu'on est, Jésus habite en. Ok. Ici, il dit, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est un apôtre bien dit. Ce n'est pas la chair qui t'a parlé, c'est l'esprit, mon Dieu, qui a parlé dans Pierre. Ou bien cet esprit menti. Et puis, quand il y a là, dans verset 4, quand ça le dit, bien aimé, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'elle a été vendue, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à. Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à. Dieu. Ça, Saint-Esprit. Dieu. C'est ça qui fait les bons bien-aimés pour nous venir à l'étude biblique. Ouais, enseignement, il demeure avant. Amen. Une prédication, un message qui est circonstanciel. Vous comprenez? Au monde qui a une situation difficile à traverser, bon Dieu, vous avez un message dans ce juste pour le monde. Message là, n'est-ce pas? Il y a un temps, le fil a commis, ça finit à complètement, pas dans rien encore. Mais enseignement demeure encore. Jésus-Christ, au cours du ministère terrestre, la plupart du temps, ça le fait. Enseigner. Donc, nous, n'est-ce pas, dans le passage là, acte 5, Ananias et Saphira, ils ont marié sur ils comprennent, ils ont cavine, n'est-ce pas, trompé Saint-Esprit. Pour eux-mêmes, ils ont commencé à faire capot de Pierre parler. Mais l'Esprit bon Dieu n'est pas dans le pays, c'est dans nous. Vous connaissez ça, la Bible dit, c'est avec jalousie, bon Dieu, garder l'Esprit, ça le met dans nous. On dit merci, Seigneur. Merci. Donc, nous, de Corinthiens 3, c'est dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et l'Esprit, c'est le Saint. Dans Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit. Donc, sous d'accord que Dieu est Esprit, tout le monde a dit, oui, je ne connais pas, c'est là, c'est bon Dieu, son monde. Au cas d'accord, le bon Dieu, ok, ou dit son bon Dieu. Mais la Bible dit l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu dit le Saint-Esprit. Et puis, Dieu, le Saint-Esprit, il n'y a pas qu'à montrer la force agissante de Dieu. Moi, les gens, les appels, ils font bruit, tout comme c'est indien dans la forêt. Ah, corps de Christ. Ils sont pour tribu Sioux ou bien tribu Cherokee. Ah, pardon, ils ne font pas qu'à bruit comme ça. Ils ne font pas qu'à Abdiya, bien aimé. Ils ne font pas qu'à Abdiya. Votre Saint-Esprit n'est pas la force agissante. Bien sûr, Saint-Esprit, n'est-ce pas, il y a une propre force, lui, parce qu'il est Dieu. Amen. Il y a toute puissance. Pas oublier, non, Job te dit, l'Esprit de Dieu, c'est le créé. Amen. L'Esprit du Tout-Puissant. Voilà. Il y a tout pouvoir. Il dit, c'est bon Dieu créé. C'est l'Esprit bon Dieu, bien-aimé. Il dit, ouvre et souffle et nous créer. Jésus-Christ, avant de monter là dans le ciel, il dit, si vous regardez, recevoir Saint-Esprit, ça le fait le souffle. Rappelez, pas j'en oublie ça. Les bons dieux t'a créé. Il n'y a pas apprendre à faire la boue et il fait planer. Hein? Il parle. Il dit. Et la chose là, il a ordonné. Une ordonnance, une passion, l'ordre ne va pas exister. Preuve que je vais montrer que j'ai une divinité à fonctionner. J'ai un bon Dieu qui fonctionne. Je vais vous dire ça dimanche. Jésus-Christ vient dans nos de Cana, bien-aimé. Dieu vient main. Mes amis, soit faire réception par un divin, pas qu'un fait. Quand on est là, il a servi vieux divin, tout le monde finit de boire, il est sous des vieux divin. Pas un divin encore. Il a dit, Marie, pas un divin encore, non? Marie dit, ça me fait un bail comme ça, je ne vais pas faire un bail comme ça. Il dit, alcool, t'es un petit garçon, il dit, Jésus, divin a manqué, pas un col fini. Il dit, ah, divin fini. Il dit, qui a quoi? Ça me connaît, fait divin qui finit, ça va intéresser, je ne vais pas faire. Il dit, mon nom n'est pas encore venu. Ouais, qui
analogie Jésus-Christ fait remonter là, bien aimé. Mon heure n'est pas encore venue. Parce que Dieu vient symboliser ça. L'heure n'est pas arrivée pour s'en couler. Mais Jésus, n'est-ce pas, est le Dieu créateur. Dans le passage, il prouvait, il affirmait sa divinité. Jésus-Christ paraît. Et puis il dit, ok, il y a 6 vases là, remplis à de l'eau pour moi, s'il te plaît. Il remplis à de l'eau, et puis Jésus, n'est-ce pas, il dit, al prend, al côté le ordonnateur et pas. Et puis, il y a au coup de route, il a gardé où est de l'eau tournée du vin. Quand il y a l'heure goûter du vin, bien aimé, il dit, mon cher méchant. Où mais? Nous mandons du vin, pas soit ta bonne boîte. C'est pas si aucun bout de bonne boîte. Est-ce que l'église est là? Je ne sais pas. Nous mandons du vin, bonne si aucun. On est là, mais bon du vin, nous ne pouvons pas être encore nous sous. Rappelons-nous, t'es doux. Pouf, du vin, n'est-ce pas, réussi, il prend temps. Gain du vin qu'on prend plus de 100 années. Vous mettez quelque part, n'est-ce pas, dans le dungeon, côté bien fond. Pour le rassis, pour le fond. Pas oublier, un vent, c'est pour prendre un raisin, pour fouer dans la cuve. Là, fait bandage. Et puis, on a mon nom pieds nus. À fond, puis on bien laver tout. Oui. On a pas craser raisin comme ça. Craser raisin, craser le. Juillet à Vingini, il fourre le bagaille. On a fermenté. On a tiré alcool, on a tiré été, on a tiré toute qualité de bagaille. On a là, ouais, tout le process qui pour tout du vin, une fête bien aimé. Après, ça peut aller mettre quelque part. Il prétend. En France, il y a du vin bien aimé. Ça, après, ça, combien d'années, on a mis le dehors pour. Jésus-Christ. En ne rien de temps. En ne tour de main. Et puis, gloire à tourner. Bon du vin. Il dit. Répète avec moi. Il dit. Il ordonne. C'est quand on a dit, on va répondre, on va pas faire. Ça, elle dit, la fait, la fait. Après, mon qui a empêché de faire. Elle dit, sinon, à ma parole. Le bon Dieu dit, la fait. Après, mon qui a empêché de faire. Là, il faut quoi? Faut? Ah oui, faut quoi? Faut quoi? Donc, nous avons d'autres passages du Nouveau Testament qui attribuent directement à l'esprit des paroles ou des actes qui, dans l'ancien, étaient attribués à Dieu. Nous allons tout ça, c'est très important. Ou après, dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui montraient que, n'est-ce pas, on prend Dieu en action. Ici, Dieu, il n'y a pas montré que c'est Saint-Esprit, non? Il y a montré que c'est le bon Dieu dans le ciel là. Je vais aussi comprendre bien aimé. Tandis que dans le Nouveau Testament, même expression ça, ils ont utilisé et puis ils ont dit que c'est l'Esprit bon Dieu qui t'a parlé. Donc, on parle de ces parallèles-là, on parle, n'est-ce pas, ça, papa bon Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est ça, cet Esprit est, même mon. Amen, c'est Dieu. Ah! Dans Exode 17, bien aimé, on a dans Exode 17, du verset 2 au verset 7. Exode 17. Exode chapitre 17, du verset 2. Mais ça le dit. Nous venons de dire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ça peut le taper. Il a cherché le compte. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? So, l'autre expression l'Éternel là, comprenez? Dans l'Ancien Testament, on ne peut jamais faire allusion à cet esprit. Est-ce que je vais m'en dire? Ou pas, et pas ça compter à l'esprit. Ou qu'on l'Éternel. Bon Dieu, papa me dit non? Ok. So, verset 3, il dit, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'eau. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté, qui ça?
tenter l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Bien aimé. Verset 2 à verset 7, deux versets intéressés. Mais moi, je me rappelle combien de fois nous avons tenté, bon Dieu. Comme si nous avons bon Dieu pas qu'à faire. Nous avons forcé la main. Des fois, quand on a chanté, c'est tenter, bon Dieu. Quand c'est dadou, on peut servir mon Dieu, patience là pendant le game. Gen bagay pour gloire, mon Dieu. La pensée, la patience. Peuple a ouais, exploit, bon Dieu fait pour vous. Sorti, n'est-ce pas, en Égypte, n'est-ce pas? Bon Dieu fait contourner des élats. Il pas fait rentrer directement à la. Et là, c'est zone frontalière entre Égypte avec Israël. Si on était passé là, c'est après une semaine, il a été arrivé à Israël. Mais Dieu connaît les ennemis, capitaine. Yo. Yo pas prêt pour yo goumer. Ni physiquement, ni spirituellement. Bon Dieu fait contourner des airs. Passer des airs arabes, passer des mondes citoyens. Font fait près de 40 ans dans des airs arabes. Entre temps, il y a la gloire de Dieu qui manifeste. La mer rouge fan devant eux. Ils ont passé. Bon Dieu englouti Pharaon à toute la mer. Ils ont ouais exploit, bon Dieu fait, bien aimé. Ils ont style à plaire. Et dans le passage, verset 2, verset 7. Qui est-ce qui a tenté là? Bien aimé, dans verset 2, qui est-ce qui a tenté là dans verset 1? L'Éternel? Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Donc, pas bien à chaque fois. Dans l'Ancien Testament, on retrouve sur moi l'Éternel. Elohim, non. Ou fait allusion à Papa Mkina. Verset 7, qui ça le dit? Il donna à celui le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient compté. Et parce qu'ils avaient tenté. Tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Ça, c'est une insulte à la véracité divine. Ça, bien aimé, bon Dieu, dès que nous ne pas croire dans bon Dieu, même le, bien aimé, mal de ma gueule, il faut, si bon Dieu fait une promesse, ou a douté, il ne va pas accomplir la promesse. C'est ça fait, sometimes, pour promesse l'accomplir, bon Dieu, qu'on prête foi à un monde pour lui, pour lui camper à intérim dans la place, oui. Et puis, quand il y a après, une victoire, ou quand on a pompé, on va payer sa vie devant. On va payer sa vie devant. On va mettre lui, on va travailler pour 50 dollars. Nous comprenons bien. Ok. Donc, ici, dans le passage-là, nous, on dit, on a tenté l'Éternel. On n'a pas dit, on a tenté Saint-Esprit, non? Tenté l'Éternel. Est-ce que nous parlons de quoi l'Éternel est Dieu? Ok. Quand il y a un gars dans le Nouveau Testament, même passage-là, n'est-ce pas, il attribue à Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, cet esprit c'est lui qui remplit rôle ça. Et nous venons nous compte que le temps qu'on a dit l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est de cet esprit qu'on a parlé. On garde pour nous, bien-aimés, dans Hébreux 3, 7 à 11. Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Ok. Mais ça le dit, bien aimé. Hébreux 3, 7 à 11. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est pourquoi, selon ce que dit, qui est-ce? L'Éternel? Saint-Esprit? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Révolte, Massa, Meriba, Mbaton, ce que là? Maintenant, il dit dans le passage là, c'est cet esprit même qui dit, ok? Donc, auteur du Nouveau Testament, Hébreux, il fait qu'on est, n'est-ce pas, ça vous tape dit dans l'Ancien Testament, Exode 2 et 2 à 7 là, eh bien, c'est de cet esprit là, et cet esprit qui te remplit comme ça, mais ça le dit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le dé, même expérience que tu fais là, il y a une femme, comment c'est cet esprit même, attendez. Où vos pères me tentaient? Qui est-ce que tentait là? Pas la même. Là, ils ont monté cet esprit au temps. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver? Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Qui est-ce qui t'a parlé là? Non, ouais, même expression, même passage là, dans Exode là, c'est, il t'a parlé de l'Éternel. Et bien là, dans le contexte là, dans le Nouveau Testament, auteur a fait me comprendre, c'est cet esprit même qui t'a parlé. Nous avons révélation, bien aimé. Nous avons révélation. Donc, puisque c'est l'Éternel qui t'a parlé dans l'Exode,
Nous d'accord, les nouveaux l'éternel, nous disons papa bon Dieu dans ce ciel-là, il va vous bien aimer. Mais dans le passage là, c'est le même texte là qui vient devant nous là. Maintenant dans le livre hébreu, il montre c'est Saint-Esprit. Donc, s'il dit que c'est Saint-Esprit qui parle là, qu'on y a, et nous sommes d'accord, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui t'a parlé. Donc ça c'est Saint-Esprit. Donc nous voici même cabri de Thomas. Trois personnes distinctes. Amen. Attention, pas confondu, non? Ah, grande doctrine de grande théologie, il y a pour les deux. Il faut comprendre que Dieu le Père, avant, dans l'éternité passée, c'est papa qui est là. Il vient convertir, n'est-ce pas? On prend en Jésus, le vini sur la terre 2000 ans de cela, qu'on y a là, il vient prendre forme cet esprit. Attention. Ce leur vie là avec doctrine Zabaou, ça faut comprendre que son seul monde il y a, mais qu'on change de forme. Mais on se comprend. Il métamorphosé. Il était papa, qu'on y a lui petit là, qu'on y a là, il prend forme cet esprit. Non, et pas ça, ça veut dire. Trois personnes distinctes. C'est trois mondes à part entière. Il y a une propre personnalité par eux. Il y a le seul Dieu. Parce que il y a un, entendu. Le Père et moi, nous sommes. Hein? Les baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, 13, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit, à moi, toi, mon Dieu, il a montré, n'est-ce pas, on sait le très caractéristique, bon Dieu gagné, Dieu est amour. Tu vas voir? Gros côté Bible en dos, n'est-ce pas, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité est là. Dans le Nouveau Testament, il montre que Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Ça, Jésus-Christ, à la vérité, c'est vérité liée. Lui montre, n'est-ce pas, l'esprit de sagesse. L'esprit de ça. Gon côté dans le Nouveau Testament, il dit, bon Dieu sage. Ah, bon Dieu, ben nous l'église. Dans Esaïe 6, bien aimé. On regarde Esaïe 6. 8 à 10. Esaïe chapitre 6. 8 à 10. Parce que ça nous fait lecture là-dedans, nous qu'on prêche, nous qu'on médite sur lui. C'est la vision d'Esaïe. Vous y êtes, chers frères, nous jouons. Ok. 8 à 10. Mais ça le dit. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui va l'entendre? La voix du Seigneur. Expression Seigneur, ça, en grec Kyrios. Ça. Eh bien, expression ça, bien aimé, à chaque fois, ou même dans l'Ancien Testament, c'est même expression ça utilisée pour Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le Saint. Il est le roi des. Gon passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Témoin Jéhovah va utiliser passage en pile. Ah, attention, attention. Et pas oublier dans Esaïe 9, quoi 5. Il dit, mais sa Bible en dit oui. Il dit, on va le conseiller. Il est le Père éternel, vrai, oui. Mais papa, il n'a pas insisté sur le Père éternel là, parce qu'au cabaret là. Il dit, ah. Mais moi, parce qu'il a dit, il est le Dieu puissant, mais pas tout puissant, non? Ah, dégage-vous là, défends-nous là. Parce qu'il montre que là, il pas tout puissant, mais puissant. Il vient insinuer doute dans le cœur. Même passage ça, loi l'Apocalypse 1er verset 8, il dit, c'est moi-même Jésus-Christ, je suis mort, je ressuscite, je vivant au siècle d'air. Et puis, derrière, il mettait le tout puissant. Et bien, défends-nous là. Fais-moi là. Jésus-Christ est le Dieu tout puissant. Attendez, Esaïe 6, 8, 10, mais ça le dit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui m'a voyé pour moi? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie. Bien aimé, on garde pour nous toujours. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ça, son prophétie liée. L'ivine accompli, bien-aimé, du temps de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus-Christ lui parlait en parabole à Foula, mais en particulier à Sédi. Gembaga lui expliquait d'ici, lui dit au détail par détail, mais il dit nous-mêmes, bon Dieu, pas de bon droit pour nous compter tout le mystère, ça. Nous l'a bien-aimé. Mais dans le passage là, ça qui intéresse, il montre dans le passage là, n'est-ce pas? Il parlait du Seigneur. N'attendez pas qu'on. Ok. Tandis que, n'est-ce pas, bien-aimé, on garde dans Acte, chapitre 28, 25 à 27. On parle le même passage ça, dans Esaïe 6 là, qui parlait du Seigneur. Eh bien, c'est le même passage ça, il y a parlé dans Acte 28, n'est-ce pas?
25 à 27. On regarde pour nous, Acte chapitre 28. Acte 28, 25 à 27. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Tendez-moi bien aimé. Nous jeûnons. Acte 28, 25 jusqu'au verset 27. Nous avons comparé à Ésaïe 6, les versets 8 et 10. Regardez ça, dit. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple, au pasteur de l'explication tout à l'heure, et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Même expression, ça a qu'on se trouve dans Isaïe chapitre 6, 8 et 10. C'est même expression, ça a qu'on a utilisé dans le Nouveau Testament avec des apôtres. Maintenant, cette fois-ci, il n'y a pas dit le Seigneur. Il a utilisé l'expression synthèse. Ah, ça veut dire. Même bon Dieu, ça qui est dans l'Ancien Testament, le Seigneur, l'homme, le Seigneur, c'est bon Dieu. Papa, dans le ciel, là, bon Dieu. Mais c'est même expression, qui est-ce qu'il utilise dans le Nouveau Testament? Il a montré que c'est cet esprit qui a parlé dans l'Ancien Testament. Nous, est-ce que nous avons bien aimé? Ok. Et pas ça, ça a gon, l'homme qui fait une étude ici, dans Jean chapitre 12. Nous avons comparé avec Ésaïe chapitre 6. Nous rappelons ça, bien aimé. En plus, nous n'avons pas ça. Pour montrer, nous, lorsque Ésaïe, n'est-ce pas, dans chapitre 6, là, à partir du verset 1er, m'a tout fait le sautier pour nous, il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 trois fois, pas vrai, bien-aimé. Et l'Éternel désormais, toute la terre est pleine de ça. Ok, on fait un camper là-bas. L'année de la mort du Waouh. Esaïe dit, moi, ouais, papa bon Dieu, le Seigneur, chita son trône. Et pas vrai, bien-aimé. Qui est Esaïe qui est là? Face à l'amour de Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas de Jésus-Christ. Nous t'ai fait étudier, nous sommes Jésus. Vous avez bon texte là. Texte là, on va le retrouver dans Jean chapitre 12, bien aimé. C'est Jean chapitre 1. Jean chapitre 12. On peut aller, n'est-ce pas? Esaïe t'a fait allusion lorsque tu as parlé du Seigneur là, lorsque tu es ouais, Seigneur Chita sous trône, non, sous trône, non, pango, il couvre tout le temps de Jésus qui t'a parlé. On allait dans Jean 12. Jean 12. Nous jeunes, bien aimé. Ok. On allait à partir du verset 30. Nous joignons, bien aimé. Verset 30, nous là? Nous joignons? Ah, nous pas joignons. Ok. Jean 12, à partir du verset 30. Non, non. Nous là? Ok. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté d'eux. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, qu'est-ce qu'il a dit par ça? Puis il s'en alla et se cacha loin. Il était derrière pour être tué. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il ça, pronom personnel ça, troisième personne du singulier ça, qui est-ce, il s'a mis là, bien aimé? Non, pas pharisien, bien aimé, pas faire un bagage comme ça. Jésus-Christ, malgré tout miracle qui était fait dans la présence foule là, il n'y a pas de quoi, non? Il ne croyait pas. Deuxième, au pluriel, ça, c'est juif, il n'y a pas de quoi, non? Lui, ça, pour nos amis, pour qui est-ce? Pour Jésus? Il n'y a pas de quoi, non? Jésus. Ok. Tendez, verset 38 là. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication,
Pas bien, non. On va le faire parallèlement, on va le moutou. Qui a cru à notre prédication? Ésaïe chapitre 6, il t'a parlé du Seigneur. Mais qui Seigneur ça? On regarde pour nous. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Verset 39. Aussi, ne pouvait-il croire parce que Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pas bien, non. Verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de... Qu'est-ce que ça? Ésaïe vit sa gloire. Dans Ésaïe chapitre 6, là, ce même passage-là. Ésaïe, n'est-ce pas? Lui, ouais, papa, bon Dieu, l'éternel, le Seigneur, chita son trône, pas en robe, il couvre qui ça? Et puis, il tend des séraphins qui a crié Saint, Saint, Saint. Et l'éternel, va ça, bien aimé. Pas oublié. Hein? Et quand il a montré, dans le passage, ça, il dit c'est de lui, mais même, c'est de lui, mais même Ésaïe, ouais. Je ne sais pas si nous avons ça. Nous, bien aimé. Hein? Oui, nous allons regarder. Attendez, mais ça le dit. Nous, je n'ai bien aimé. 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il dit ça. La gloire de qui est-ce? C'est Jésus-Christ qui est chita sous ton nom. C'est lui qui est chita sous ton nom, bien aimé. Oui, vraiment, nous t'ai dit mon. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ok, qui verset? Qui verset? Verset 8. Verset 8, ok. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont, attendez, bien aimés, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, 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 et le sait? Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Même expression, même bagaille là, même analogie là. Why? Parce que, pas oublier, il y a différents types d'anges. Il y a séraphin, il y a chérubin. Séraphin, oh bien aimé. Dans tout autre ange qui existe, c'est une catégorie ange qui n'a jamais rentré dans la révolte là. Dans la résurrection qui est faite dans le ciel là. Ou quand il y a Ézéchiel 28, il n'y a pas bien aimé. Je fais étude ça venir ici. Il n'y a pas de participer. Non complot ça. C'est ça fait, c'est seul ange ça au bon Dieu ba au droit puis a volé sous tête trône. Voilà. Yo ka volé sous tête trône, mais l'autre ange pas ka faire. Tandis que chérubin, pas bien Satan saute dans l'autre des chérubins. Chérubin, c'est ange, n'est-ce pas, qui campait beaucoup trône, il y a ba majesté divine en protection. Nous comprenons bien aimé. OK. Non, c'est juste pour montrer. Parole bon Dieu, c'est oui, c'est amen. C'est oui, c'est amen. Pas de menti dans ça là, bien aimé. Ça ne saute là. C'est oui, c'est amen. Mais ça le dit, l'église. On garde Kounian là. Nous sommes Esaïe 6. On compare avec Acte 28, 27. On garde l'autre texte encore. Dans Jérémie 31. Du verset 31 au verset 34. Jérémie 31. Du verset 31 au verset 34. Je n'ai bien aimé. Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. M'appelle-le pour nous, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les créerai dans le cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon. Ah ah. L'Ancien Testament, où elle dit, l'Éternel dit, voici là. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel. Donc, là où dit l'Éternel, qui sont là? Où est papa bon? Ok. Dans le contexte, là, loi, elle est dans Hébreux chapitre 10, du verset 15 au verset 17. Ou pas loi qui m'a utilisé en lieu et place l'Éternel là. En allant dans Hébreux chapitre 10, bien aimé. Quand on met regarder Isaïe 31. En allant dans Hébreux chapitre 10, du verset 15 au verset 17. En regarde ça le dit. Mais ça le dit.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. C'est ça, Saint-Esprit t'a fait nous comprendre tout. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, même texte là, expressis verbis, le regarder, n'est-ce pas, dans Jérémie 31, c'est même bagaille là qui a parlé là, bien aimé. C'est même pas, c'est bon Dieu dit, mais à la seule différence, il n'a pas montré que c'est l'Éternel qui parle là, il dit, c'est ça. Voici l'alliance que je ferai avec eux. L'arrivée là, quand on met à relire le texte, après ça, après c'est même texte là. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et là où il y a des pardons de péchés, il n'y a plus d'offrande pour le paix. Dans ce passage-là, moi, Jérémie 31, du verset 31 au verset 34, il montre que c'est l'Éternel qui t'a dit ça. Tandis que, il montre que dans le livre Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 10, 15 à 17, il montre que c'est cet esprit qui t'a dit parole ça. Tandis que, l'année qu'on a fait l'étude longtemps, vous ne connaissez pas, bon Dieu, c'est à te parler. Juste pour montrer, n'est-ce pas, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Saint-Esprit est, il y a sur le même pied d'égalité, sa papa, y a, c'est sa petite taille, et c'est sa Saint-Esprit. Nous l'avons bien aimé. Nous commençons à m'en dire. Ok, très très important. Est-ce qu'il y a une différence qui existait entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus glorifié? Est-ce que une différence, nous avons établi une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus glorifié? La raison pour me dire ça, c'est parce que il y a des gens, n'est-ce pas, qui avançaient que on prend l'offre converti, on prend recevoir l'Esprit de Jésus. Et l'offre baptisée, n'est-ce pas? On prend, c'est laisser recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire exact? Est-ce que vraiment il y a deux esprits? À nous qu'on ne dit pas, dit, il y a un seul et même esprit qui opère tout seul. Donc, il y a appuyé, n'est-ce pas, sur Romains 8, verset 9, avec 1 Jean 4, verset 2. Puis il faut comprendre, n'est-ce pas, où recevoir l'esprit de Jésus lorsqu'on croit dans Jésus. Mais ça, il ne va pas rendre compte, là. Tant de bien-aimés. Lorsqu'on recevoir Jésus, ok? Cet esprit a vite demeuré, non? Pas jamais oublié ça. Et on prend esprit, là où l'esprit de l'Éternel, là où dit l'esprit de Dieu, là où l'esprit de Jésus, ou bien l'esprit de vérité, l'esprit d'adoration, l'esprit de révélation, ok? C'est de cet esprit à parler. Et dans le contexte, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit, et l'esprit est le Saint. Ça, cet esprit, c'est ça, Jésus-Christ comme Seigneur et tout. Oui, c'est bien. Ok, très de bien aimé. Laissez-moi dire ça clairement. Pas de deux esprits. Pas de quatre esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Et c'est même l'Esprit qui à la fois l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils et l'Esprit. Parce que ni papa, ni petit là, qui ça oui? Dieu. Et pas ça, bien-aimé. Hein? Et puisque Dieu, donc, on doit admettre également que l'autre consolateur, à savoir le Saint-Esprit, ça lié. Il sait Dieu. Pablo, à plusieurs reprises, la Bible, n'est-ce pas, lui montrait nous d'une manière claire et précise que cet esprit, pas deux esprits, son seul esprit lié. Dans Éphésiens 4, verset 4, il dit, gain un seul es. On regarde, non, Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit, bien aimé? Il dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocat. Gon seul es. Ok. 9. Non, Ephésiens 2, le verset 18. En gars, sa Bible a dit, bien aimé. Il dit, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même es. Ah ah. Pas gain deux esprits. Son seul esprit. Hein? Un seul et même esprit au Père tout seul. Ou lui jeune ça dans 1 Corinthiens 12, 11.
Il y a qui ça? Diversité d'opérations, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses. Au cas où ils vont côté cet esprit, il n'y a pas même gens, non est tel ni non est tel. Nous comprenons bien aimé. Je vais plus loin à vous. On regarde la vie de Jésus-Christ. Sauvez-nous. Jésus-Christ, il guérit plusieurs personnes qui ont souffert de cécité physique. Avant, il n'y a pas de trouver, il était aveugle. Ok, il n'y a pas de trouver. Jésus guérit, qui ça le fait? Il prend, n'est-ce pas, sa livre, il prend poussière, il fait un petit masque. C'est pas vrai? Il met sous yeux, ça le dit encore. Il lave les yeux dans la piscine, si l'eau. Et puis, il a sauté, il dit, oui, 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 bien aimé. Gon l'autre, lui-même, il paraît. Ça, Jésus fait. Il fait le camper. Il prend, il sorti de avec. Et puis, il touche, il dit, qui sont ouais? Il dit, moi, mon temps, je ne pas que tu pieds bois. Il touche encore. On va le deuxième tour. Il vient voir normal. Ok, un tour distinctement. Gon l'autre lui-même, qui est le baptisé, pas ça, bien aimé. Il dit, Jésus a passé. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, fou là tellement crié, comme il n'y a pas qu'à faire des voix. Finalement, Jésus, c'est bon Dieu, il connaît tout le bagage. Il est en train de bâtir, mais qu'à crier. Et puis il dit, monsieur, ah, fais mes bouchons là, non, mets ta passe en nuit, n'est-ce pas? Il ne criait plus. La Bible dit, Jésus campé. Et puis il dit, fais monsieur Vini. Bien aimé, en un rien de temps, bâtir mes vignes, valeur. D'accord, on est là avec, Ragsou, Sal, etc. La Bible dit, même côté, Jésus dit, fais monsieur Vini. Pour les gens qui ont fait ou fait ou mal passé. Parce que c'est Jésus, il est bien aimé. Libre-valeur, va bien aimé. Yeah. So, Batimé, n'est-ce pas? Jésus dit, moi je veux que ça fasse son effort. Li ouais. Tous les trois guéris, mais pas guéris, même gens. Même cet esprit a coopéré, mais différemment. Ok? Des monde, n'est-ce pas? Il a chassé des mots sur lui. Au nom de Jésus, il a chassé des mots. Gon l'autre esprit, on dit, Jean-Bille. Je ne sais pas comment ça me dit. Et ça fait des diversités d'opérations et sa Bible en dit. Il ne faut pas trop, n'est-ce pas, cloîtrer pour être bon. On a déjà dit que cet esprit n'a pas agi tout le temps comme ça. Je voulais saisir ça, bien aimé. Il y a des gens qui ont des mots sur petit lit, Jésus-Christ, où est-ce que tu es? Et puis là, il y a des gens qui ont des mots à faire. Il va dire que tu es chassé, non? Je ne sais pas comment, bien aimé. Donc, c'est pour suivre dictée synthèse. Même Jésus-Christ l'a été sur la terre. Tout miracle qui t'a opéré, c'est cet esprit qui t'a pas généré. On dit merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok, on continue, bien aimé. Il y a plusieurs autres passages qui montrent de façon évidente, n'est-ce pas, que cet esprit, hein, son seul et même esprit, hein, mais, n'est-ce pas, des noms différents. Dans Actes 16, les versets 6 et 7. On regarde ça qui passe dans Actes 7. Actes 16, les versets 6 et 7. Nous jeunes, bien aimé. Qui ça nous le dit? Actes, chapitre 16, ça le dit. À partir du verset 6. Hein? Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur... Qui ça? Pas père? Ok, on fait un camper là, bien aimé. Verset 6, qui ça le dit? Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Ok. Non, on a d'accord même que c'est Saint-Esprit qui a pas de vle, yo a entré dans zone ça. Dans verset, n'est-ce pas, 7 là, et pardon, et ça, bien aimé. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer qui pour en Bithynie. Mais l'esprit de Jésus. Ce qui est l'esprit lié? Alors, parce qu'on dit l'esprit de Jésus, il y a là, c'est Jésus en croyant, en chien, en non, non. C'est cet esprit. L'esprit de Jésus, l'esprit du Fils, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit d'adoration, l'esprit d'intercession. Souffle de vie. Je ne sais pas si toute expression, ça, c'est pour cet esprit utilisé. Yo. Nous là, bien aimé. Nous là? Ok. On a regardé Romains 8, verset 9. Romains 8, le verset 9. Regarde ça le dit, bien aimé. Mais ça le dit. Pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, aïe aïe aïe, il ne lui appartient pas. On ne faut camper la Bible. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous d'accord, selon l'esprit, c'est selon synthèse. Ok. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous parlez de l'esprit de Jésus, mais quand on dit l'esprit de Dieu, donc d'accord, c'est Dieu le Père, l'esprit de Dieu, Dieu le Père. L'esprit de Dieu, c'est synthèse. Qu'on y a là, Christelle dit encore. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de non, il n'y a pas de Dieu, de Christ. D'abord, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, c'est même Saint-Esprit. Hein? Je voulais faire ça clair pour tout le monde. Pas quitter le monde, confondre nous. Il y a dit, ah non, mon Dieu, c'est l'esprit de Christ, c'est pas Saint-Esprit. Ici, l'esprit de Christ, c'est Saint-Esprit. Pas oublier, Christ corporellement, présence lui, pas sur la terre. Ok, Christ dans les cieux, à peine à la droite du Père, pas ça l'église. Maintenant, il dit, il est avantageux pour m'aller. Le m'aller m'a voué un autre consolateur. Ça, Christ hier, l'avons nous même Yahvel. Saint-Esprit. L'esprit de Dieu. Il ne peut pas permettre d'entrer en bitini. L'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. C'est Saint-Esprit. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Tendez bien. Romains 8, 14. Regardez qui ça le dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont qui ça? L'esprit de Dieu qui est là? Papier. Et l'esprit non oua, c'est lui qui fait mon nom. L'esprit de Dieu, l'esprit. Pas oublier, bien-aimé. Bible dit l'esprit de Dieu sont tout. Ils sont de toutes bagailles. Ils comptent toutes bagailles. Même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que l'esprit qui a pensé, l'idée pour penser parle. Au père, sa Bible dit le Saint-Esprit a venu. Il n'a pas parlé de tête, lui, mais il a glorifié Jésus. Et ça fait l'homme qui a cet esprit dans lui, les manifestations de la parole, il dit gloire à Jésus. Il n'a pas parlé de tête, lui. Nous l'avons bien aimé. Il n'a pas parlé de tête, mais il a parlé de Jésus. Très important. Ok. On regarde bien aimé dans 1 Corinthiens 6, 17 à 19. 1 Corinthiens 6, 17 à 19. Mais ça le dit. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui qui ça? Un seul est. Il fuit la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous? Ok, ok. Ça veut dire la bien-aimée. Comme c'est temple synthèse, et pas oublier, dès le début, qui ça me démontre, nous démontrons trois passages. Non seulement 1 Corinthiens 6, 19 là, nous démontrons 1 Corinthiens 3, 16 qui dit, vous êtes le temple de Dieu. Dans Colossiens 1, 27, il dit, Christ en vous. Là, il dit Christ en vous, cela veut dire que c'est cet esprit qui habite en. Comme c'est temple, là, il dit Christ en vous ici. Jésus-Christ n'est pas descendu saute dans le ciel, là, littéralement, vient habiter en dedans. Mais par le Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu. Donc, on a dit, vous êtes le temple de Christ. Ou là, bien-aimé. Donc, juste expression, ça a utilisé pour montrer, n'est-ce pas? Saint-Esprit demeuré. Non? Non, non. Amen, l'église? Amen? Ok. Donc, celui qui s'assure au Seigneur est avec lui. Un seul et même est? Nous, c'est temps bon? Ok. Pas oublié. Ça ne se dit plus haut, là, bien-aimé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, c'est même mon nom. Je ne sais pas si vous bien-aimé. Expression interchangeable. Pas oublier ça. Moi et papa, nous faisons. Ok. Donc, il est frappant pour nous constater, n'est-ce pas, à propos de bagage, analogie, ça, qui est très frappante. La Bible, il parle indifféremment de l'évangile de Dieu et de l'évangile de Christ. Il y a certains passages, je ne parle pas l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Est-ce que bon l'évangile pour Jésus, bon l'évangile pour papa, bon Dieu?
Dans Romains 1, verset 1, il dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Tandis que, n'est-ce pas, dans verset 9, il dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils. Alors, parce que l'expression dit l'évangile de son fils, l'autre a dit l'évangile de Dieu, donc papa a l'évangile, Jésus qui a l'évangile. Non, même l'évangile là. L'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus. La bonne nouvelle du royaume. Nous l'a bien aimé. Pas quitter mon tropé nous. Ah, mon cher, bon Dieu, qu'on l'évangile, oui, Jésus qui a l'évangile. Bah, non, non, non. C'est pas ça, ça me dit là. Il vient dans Romains 15, verset 16, il dit, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Lors où l'évangile de Dieu ou l'évangile de Jésus-Christ, c'est même parole là, elle veut dire. Je ne comprends pas comprendre. De Dieu. Jésus-Christ pas Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il n'est pas qu'à changer. Christ n'est pas qu'à changer. Moi-même avant, nous qu'à changer. Mais Jésus n'est pas qu'à changer, bien-aimé. Ok. Tendez-moi. Je vais vous montrer un bagage qui est très important là, bien-aimé. S'il n'y a qu'un esprit, pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, ou appelé l'Apocalypse 1er, Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 5, il parlait, n'est-ce pas, des sept esprits de Dieu. S'il n'y a qu'un esprit, pourquoi dans le livre Apocalypse, non, il parlait des sept esprits de Dieu. C'est très important. Parce que quand il y a une côté, on dit, ah mon cher, on ne va pas le Saint-Esprit, moi c'est sept esprits, oui. Il faut expliquer le passage ça pour comprendre les bien-aimés. Ici, dans le passage, il montre l'unité qui existait dans l'esprit de Dieu. Cette expression ne signifie pas, n'est-ce pas, qu'il existe différents esprits, différents Saint-Esprit. Il n'y a pas sept Saint-Esprit. D'abord, la Bible montre un seul et même esprit opère tout un saint. Mais il faut nous expliquer qui ça s'est dit, bien-aimé. Pour nous comprendre, rappelons le plus souvent dans le livre de l'Apocalypse, il emploie souvent un langage qui est symbolique. Dans ce passage, ça, n'est-ce pas, le chiffre 7 signifie, n'est-ce pas, de façon constante, comme nous voyons dans l'Ancien Testament, il parlait de la plénitude et de la perfection. Chiffre 7. Pas oublier, nous démontrons, il y a 7 notes de musique. Amen. Il y a 7 couleurs là, quand c'est pas 7 qui gagne. Et pas ça, bien aimé. Pas combien je gagne en semaine? 7. Nous ne pas que les bons dieux exercent le jugement, ces chiffres 7-là. Nous ne pas les gens qui doivent faire 7 jours dehors. Au du camp, nous ne pouvons pas faire ça, bien aimé. Nous ne pas dire dans notre tête, nous avons 7 orifices. Nous avons 2 orbites, 2 bouches, 2 tournées, pas vrai? Nous avons 1 bouche, nous avons 2 oreilles. Combien de bon? Il y 7. Ok. Donc, chiffres 7-là sont chiffres bon dieu qu'on utilise en pile pour l'exercice juge. Pabli Mdou, lui symboliser, n'est-ce pas, hein? La plénitude et la perfecte. La perfection. Dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 5, là, verset 6, là, il dit, l'agneau immolé, combien? Il y a 7 cornes et il y a 7 yeux qui sont les 7 esprits de? Qui est-ce qui est agneau? J'ai? Combien yeux il y a? Combien cornes il y a? Ça, cornes symbolisé. Pouvoir, autorité, puis, en deux termes, il y a tout puis? Il y a tout puis? Il y a tout puis? Il a montré dans le passage, il y a 7 yeux. Est-ce que Jésus qui a 7 yeux, bien-aimé? Est-ce que Sylvie n'en a pas 7 yeux? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ça veut dire, bien-aimé. Hmm? Ça veut dire. Hein? Il y a toute puissance, il y a toute connaissance. Il y a toute. En d'autres termes, si, n'est-ce pas, il y a 7 yeux, il y a toute bagaille. Ça veut dire que mon omniscient, il compte toute bagaille. Moi, ouais, toute bagaille. 7, ça a symbolisé perfection. Je ne sais pas si perfect. Perfection. Donc, ne prend rien qui échappe en bas contrôle lui. Mais le Christ a tourné sur la tête. Je ne sais pas pourquoi il y a 7 yeux dans la tête. Ah, pas la même, non, bien aimé. Donc, ici, n'est-ce pas, l'agneau immolé a 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de. Donc, c'est une allusion à la puissance et à la connaissance parfaite que cet esprit, bah, Jésus-Christ. Lors de Esaïe 11, il dit l'esprit du Seigneur sous moi, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Il y a montré 7 éléments dans l'esprit, esprit, esprit, esprit. Mais ce n'est pas 7, 7 esprits liés. Symboliser la perfection, la toute puissance. Il compte toute bagaille. Of course, Jésus-Christ compte toute bagaille. Oui, il compte toute bagaille. Il y a 7 yeux. La Bible dit dans Zacharie, l'Éternel a 7 yeux qui a fait toute la terre. Il n'y a rien de pas, ouais. Mais il dit, Agneau a 7 yeux. Là, il me prouve que Jésus-Christ est Dieu au même titre que Dieu le Père. Il y a toute puissance là.
L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Amen, bien-aimé. Donc, n'est-ce pas, nous, ouais, dans ce passage-là, c'est ça, je l'ai dit, là. L'agneau immolé, il y a sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, sont allusion à la puissance et à la connaissance parfaite que cet esprit a accordé à Jésus-Christ. Pas bien, le Christ est sur la terre, il est dans la chair. Mais il y a pas, Jésus dit, n'est-ce pas, dans la chair. Il dit, Nathanaël, depuis en bas, pied figure, tu as bien un petit wow, mais ça. Comment faire, comment faire, ouais. Où c'est Messie, à vrai. Jésus-Christ compte tout bas. Les livres en bas, pieds bois, si comme moi, puis dit Zaché descend. Bien aimé, je suis si bon, je vais te dire pour Zaché, il t'a fait tomber le mourir. Il t'a mouru parce que, il n'y a pas qu'à comprendre, Jean coûte là, Jean pitié, Jean l'assis pour cacher des feuilles, ça y est. Un gros pied bois comme ça, pour Jésus, où elle cache des pieds bois. Ah bien aimé, si bon, je vais te dire, il t'a fait tomber. T'as pour moi, Gomil, il t'a fait tomber. On continue. Donc, le fait que le Saint-Esprit, dans sa plénitude parfaite, lui restait unique, prouvait encore par l'Apocalypse 1, verset 4 et 5, la grâce et la paix aussi sont données aux églises de la part de Dieu et des sept esprits qui sont devant son trône. Ces mêmes expressions, ça, il est utilisé dans Apocalypse 1, 4, 5. Il dit, de la part de Dieu le Père, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, amen, et de la part du Seigneur Jésus. Donc, ici, c'est pas... Bible dit, bon Dieu, il y a sept lampes qui lumière devant le trône. Tandis que la Bible a montré, n'est-ce pas, qu'un seul esprit qui opère tout le bagage. Et ça ne va pas qu'à limiter l'esprit bon Dieu. Ou pas qu'à limiter l'esprit bon Dieu. Bon Dieu, car il est tel, il fait, n'est-ce pas, mettre l'église à sous pied. Il est tel, pas seul, mettre l'église à sous pied. Ils, tous les deux ne fonctionnent pas même gens. Il n'y a pas le même type de don. Il faut comprendre ça, bien aimé. Gon monde, n'est-ce pas, bon Dieu, conserve avec lui. Et puis, mon bon Dieu, c'est pas avec. On peut passer nos gars, par exemple. Il y a un bon Dieu à faire passer nos gars. Ou à dire ces bagages dans l'Ancien Testament, Élie, Élisée. Où ils ont fait toujours, le disent toujours. La puissance de Dieu est toujours là. Nous devons comprendre ça, bien aimé. Nous là, bien aimé. Ok. Donc, nous, n'est-ce pas, certains passages dans le Nouveau Testament, tels que le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, pardon, 4 et 5. Donc, quand il parle des sept esprits de Dieu, nous, il n'y a pas fait allusion que les sept Saint-Esprit, son seul esprit. Donc, plutôt, il symbolise, n'est-ce pas, la connaissance parfaite que cet esprit bâille Jésus-Christ. Il a toute connaissance. Il a sept yeux. Ça veut dire que il a tout. Il voit tout bas. C'est ainsi que, bien aimé, nous, dans 2 Corinthiens 13, 13, que de la part des apôtres, il a béni l'église de Corinthe. Surtout l'apôtre Paul, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit, qui ça? Soit avec. Donc ici, il montre trois personnes qui paraissent dans la prière là. Donc ça veut dire, l'apôtre Paul a béni mon Dieu, maintenant papa a béni, petit a béni, Saint-Esprit, ben. Donc, nous faisons surtout la bien-aimée que le Saint-Esprit est une personne, et même la troisième personne de la divine Trinité. De même, nous venons de voir que le Saint-Esprit est une personne et la personne divine elle-même. Non seulement elles sont monde, mais c'est bon Dieu, même lié. Parce que, rappelons, Ananias à Saphira, ben menti. Pierre dit, oh, ah, Ananias, qui est-ce qui va mentir là? Saint-Esprit, c'est bon Dieu, même où va mentir. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Il est mort sur le? Il est mort sur le champ. Donc, cette constatation, il a tout intérêt, n'est-ce pas, dans l'étude ça, pour l'étudier très bientôt. Il y a l'autre aspect, l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur croyant. À soi, bien-aimé, je ne peux pas dire plus. Parce que nous disons assez déjà. Amen, l'Église. Nous allons nous tourner encore, n'est-ce pas? Côté que nous pourrons étudier ensemble les symboles du Saint-Esprit. Mais à soi, nous étions là. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse dans sa que nous avons dit là. Que bon Dieu bénisse. Donc, si il y a deux, trois questions, on apprend dans le nom de Jésus. Comme des doux, on va quitter nous aller tout à l'heure. Il presque 9 heures. Ok. On dit bon Dieu merci par les questions. Nous restons là, soit que bon Dieu bénisse.